Salut à tous, c'est Makoyan Minou. On se retrouve 10 jours après le premier épisode pour cette suite dans le Let's Play sur Pokémon Éclat Pourpre. Alors, pourquoi 10 jours ? Si vous suivez un petit peu toutes mes vidéos, j'explique un peu pourquoi. J'ai sorti la vidéo de théorie 2. J'ai aussi eu beaucoup de problèmes avec ma connexion internet. Du coup, j'étais un petit peu baisé sur tous les tableaux. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui a changé, y a rien vraiment qui a changé vu que je me retrouve au point de la fin de l'épisode 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu. Comme prévu, je vous avais demandé votre avis en commentaire, donc je vais suivre votre avis. Donc on m'a demandé, Néo 898 m'a demandé un roucardage, donc je vais me démerder pour trouver un petit roucoule dans les parages. On m'a aussi parlé d'un Medina, donc je vais voir ça. On va voir si on tombe dessus dans cet épisode. Ce que j'ai changé, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai augmenté un petit peu la vitesse de jeu. Donc le son a un petit peu légèrement changé. C'est histoire de fluidifier un petit peu la partie. Donc c'est parti. Je vous rappelle ce qu'on avait eu. Donc on avait eu en Pokémon, on avait eu notre Brazero. Et on venait d'arriver dans la première ville. D'ailleurs, est-ce que je suis soigné? Non, je suis pas soigné. Je sais pas pourquoi. Alors j'avais hâte de continuer cet épisode parce que j'étais un peu resté sur ma faim, mais vraiment. Allez, hop. Alors je sais pas du tout où il faut aller, je me souviens plus du tout, et je crois que de toute façon, il n'y avait pas grand chose à se souvenir. Donc le format 20 minutes, enfin 20-25 minutes a l'air de vous plaire, donc on va poursuivre là-dessus. Alors de où on arrivait? Je crois qu'on arrivait de par là. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ah merde, il y a rien à droite, il y a rien en bas. On avait une carte, hein. On va regarder la carte. Vu que je ne connais pas du tout et que c'est une nouvelle région. Alors, on était ici, au Bruyère, à petit près, donc il faut quand même qu'on monte là-haut, au chemin rocailleux, ok. C'est un petit peu ennuyeux ces petits bruits là, quand on touche un mur. J'ai vendu les, ok. J'ai plus de sous de toute façon, donc... Je devrais faire un tour au centre Pokémon. C'est fait, on y va. Ok. Bon alors, est-ce qu'il y a des roucoules dans les parages? Je viens d'aller capturer des insectes dans la forêt. Tu m'en diras des nouvelles. Je t'ai brûlé, ouais. Bon, pour les petits combats comme ça, je vais utiliser l'accélération. Qu'est-ce qu'il y a comme roucarnage dans les parages? S'il y a des roucarnages et qu'il n'y a pas de roucoule, je deviens dingue. C'est vraiment classe cette petite accélération. Le son est assez désagréable quand même, hein, donc je pense qu'au montage j'essaie de vous baisser les... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon allez, hein, je sais pas ce qu'il y a comme Pokémon, donc on va anticiper. Enfin, on va sauver le coup.
Eh ben j'ai envie de l'appeler Pissenlit, moi. Donc on va l'appeler Pissenlit. La plus belle fleur au monde. Bon, je sais pas trop où je m'aventure. Un Snubble. Ok. Ouais, je capture, hein. J'ai pas envie de me faire embêter. Je vais capturer un peu tous les Pokémon. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Snubble, je suis pas un gros fan. Donc, si dans les commentaires vous me dites de le zapper, je le zappe volontiers et avec plaisir. Bon, lui, on va pas le garder parce que il nous faut un Roucool. Oh, je préfère limite Chuchemur au Snubble, hein. Je pense que je vais... Tant pis, comme ça c'est fait. Apprends Flamèche, super. Alors, est-ce qu'on peut modifier les l'ordre des attaques? Oulala, c'est un peu lent. Alors ça, premier épisode j'utilise l'accélération, n'hésitez pas à me dire si ça vous gonfle. J'arrêterai, tout simplement. On va mettre un petit peu de... Alors, un petit peu aussi le profil de nos Pokémon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Timide. Ok. Charge. Ah, je suis un plus gros fan quand même de Rafflesia que de Floravol, mais bon. On a là. Ok. Il y a une grande chance qu'on se fasse défoncer, c'est sûr. J'attendrai le renvoi au centre Pokémon. Les potions, ça coûte cher quand même. Merci. On va arrêter l'accélération hors combat en fait. Ok, donc ça c'est le Pokémon le plus mauvais qui existe. Oh putain, Trempette. Allez! Synthèse. Alors, on va aller voir le Kiki.
Ok, ok. Bon, j'espère que ce chemin rocailleux est pas très grand. Est-ce qu'on peut... Est-ce que tous les Pokémon visibles en... sont... du coup, inattaquables? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, je me suis trompé avec la vitesse. Ok. On est bien là. Il y a que si peu de PP, ok. Bon bah voilà. J'ai envie de dire tant pis. Allez, hein, maintenant on va arrêter de se faire violer. Et on va aller EP un petit peu avant Snubbouboule. Oh, vous savez quoi, je vais cut ici, hein, et puis je vais EP un tout petit peu mes bestioles. Je vous retrouve tout de suite. Allez, bye. Re à tous, on est reparti pour cet épisode. Donc je me suis fait un petit peu avoir, j'étais en train d'XP un petit peu mes bestioles dans la grotte et je suis tombé sans faire gaffe sur ce montagnard, donc je l'ai battu. C'est une des seules choses que vous avez loupé. Vous avez loupé aussi en upant, je suis tombé sur quelques Pokémon, à savoir donc un Roucool. Et on a vu combien de badés. On m'avait demandé un Roucarnage, et ben je me suis dit, tant qu'à faire, on le prend. Je l'ai appelé Neo898 en l'honneur de la personne qui m'avait demandé ce Roucarnage. Et surtout, parce que je suis une bite qui n'est pas capable de trouver des pseudos, voilà, enfin des surnoms. Voilà, je suis tombé aussi sur un Nidoran femelle, que j'ai appelé Mercury. Pourquoi Mercury? Parce que son stade final c'est Nidoqueen. Queen, Freddie Mercury, voilà la petite référence musicale, ho ho ho. Sinon j'ai EP tout le monde niveau à peu près 10, sauf Snubbull parce que je pense que je vais le tège très rapidement. Il m'énerve, je l'aime pas. Déjà sa tête me revient pas et puis je l'aime pas, voilà. Pissenlit, il sert à rien, il me gonfle, je vais le tège aussi. Niveau 10, il est pas capable d'avoir appris une attaque offensive. Donc voilà. On continue, hein, tant qu'à faire, on va pas coucher là. Tuk, 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 tuk. Donc j'ai essayé de parler au Rakaillou, ça fait rien. Ah, j'ai une apprendre charge, bah vous, j'avais même pas fait gaffe. Bon, c'est pas très fort. Hein. Oh la vache, c'est du viol là. Ranger Betty, ok. Lourdeau. Non, je vais rester comme ça. Bon là là. Oh putain. Un Pokémon par pas, mais c'est honteux ça. J'ai plus que 3 Pokéballs, c'est un peu la misère.
Oh là là. Si c'est pas de la grosse chatoune ça. On va essayer un petit peu avec Néo. Si seulement j'avais ce pissenlit là qui avait une petite attaque plante, mais non. Je suis tombé sur aucun Pokémon haut aussi. Ah bon. Tu veux une astuce? Utilise coup de boule sur certains imps, parfois un Pokémon tombe. D'accord. On va tout de suite soigner les Pokémon. Donc la Team Rocket. Bon, faut se grouiller de rejoindre l'autre escouade et nous attendre à l'intérieur de cette forêt. Dégage. Ah, j'ai du mal avec le fait que nous on parle. Bon, allez, ne change pas les gens. Je vais t'apporter mon aide. Eh ben allez. Ah ouais, quand même, ok. C'est pas grave. Ils ont un sacré niveau ces Pokémon quand même. Ok. Ça n'est pas dans ma zone. Il ne m'a pas convaincu, je crois qu'il n'a pas assez mordu à la poussière. Un combat Pokémon, ça suffit pas, une vraie correction ferait mieux l'affaire. Continue ta route, je vais continuer. Ok, ok, ok. Bon alors j'avais dit que j'utilisais pas l'accélération en dehors des combats et des centres Pokémon. Mais en fait, c'est sur la touche espace et c'est... Voilà, c'est très intuitif en fait de mettre le pouce sur cette touche. Oh, j'ai fait une boulette. Oh putain, enfin je me retape la grotte. Pourquoi j'ai pas été dans cette putain de forêt moi aussi? Alors, déjà on va mettre Roucoule en premier. C'est marrant, les petits papillusions un peu partout.
ce coup de Charles. 150, Charles. Allez, c'est parti, là. Là, il est chaud, là. Là, on sent qu'il a envie, là. Là, il est efficient, il a tout pour lui. Vas-y. Allez, Charles, allez. 150, Charles. Vas-y. Hop, hop, hop. Hop, comment dire. Allez, vas-y. Pousse. Allez, 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 Charles. Vas-y. Ouais, hop, pousse, pousse. Oh, bah, il a raté. Oh, bah, bravo, hein. Charles l'a fait. Mimical. C'est un Pokémon qu'on voit pas souvent, enfin dans toutes les versions que j'ai faites, en tout cas dans ces let's play, ben je ne suis pas tombé dessus beaucoup. Là on a rien. Oh putain, mais c'est des... Franchement c'est des viols quoi, c'est honteux. N'attaque pas toi. Je suis simplement venu observer les Pokémon insectes. Ok, c'est plausible. C'est plus des repousses qu'il faut ici, c'est une corde. Une corde pour se pendre. D'accord. Ok. Une grotte. Ah non, un passage. Oh, un petit Pikachu. M'en fous, je vais juste le capturer. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est le premier Pokémon électrique sur lequel je tombe. Voilà. Hein, j'ai pas trop le choix. Comme un couillon. Comme un couillon, je l'ai pas nommé. Et putain, je fais vraiment que de la merde. Ça me gonfle. Il a évolué au niveau 14. Je crois que c'était au niveau 16, moi, que ça a évolué les starters. Non ? Bon, où est la sortie de ce bois? Vous allez voler mon Pokémon, bande de déchets. J'ai un compte à régler avec la team Manquette. Regardez-moi ça, il est drôle. Allez, dégage, tu veux pas d'ennui. Tu l'auras voulu, je te mets ta tôle. Oh, c'est les billes. Oh la vache, mais c'est usant, franchement c'est usant les gars. Il fallait mettre des zones d'herbe plutôt que de foutre du pop partout là.
Bon, après, je vais un petit peu arrêter avec Feuilleton parce que. Ah, c'est la sortie. Bon, écoutez, les amis, on va se laisser là tout simplement parce que ça commence à faire déjà quelques temps qu'on tourne l'épisode. J'ai même pas fait gaffe de la première partie combien de temps, mais je pense qu'on avait fait à peu près 10 minutes. Donc là, on va approcher 15 minutes. Donc, ça va nous faire un épisode complet. Donc, on va s'arrêter là. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Quel Pokémon vous voulez que je garde? Quel Pokémon vous voulez que je bazarde? Quel Pokémon vous voulez que je capture? Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ces accélérations. Elles sont peut-être un petit peu exagérées. Mais au moins, ça me permet d'avancer. Là, au moins, un épisode, on a fait du chemin. C'est cool. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode sur Pokémon Éclat pourtre. Bye bye!